この番組ではご覧のスポンサーの提供でお送りします。Alors, moi j'aimerais bien Steve de Minecraft et puis Crash Bandicoot aussi, j'aime beaucoup Crash. Le mec de Cuphead, j'aime bien Cuphead. 見つかってくるのか?この DOR の終盤の夢がある。Quoi, c'est vrai, le prochain perso c'est Cuphead? やれやれだぜ、次にお前はグレトンですよ。Quoi? Mais il y a déjà 7 autres persos de Fire Emblem? On n'en a pas besoin d'un de plus?Et voilà. Alors, ah ben, bien vu, hein. Je voulais pas faire ça. Non. Ouais, mais en même temps, c'est la première fois que j'affronte le perso, c'est normal que je perde.Et si tu vas pas faire un tour sur mon utip, bah les 6 prochains personnages de Smash, ça sera que des persos de Fire Emblem d'abord. Salut à tous les amis, c'est Coleman, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de Billet, le nouveau personnage dans Super Smash Bros Ultimate. Donc en gros voilà, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui sur Smash. Tout simplement parce que de 1, ça fait un sacré bout de temps hein, que j'ai pas fait de vidéo sur Smash. Et ensuite deuxièmement, il y a Billet, un personnage de Fire Emblem qui a été ajouté au jeu. Et je me suis dit que ce serait sympa de voir à quoi il ressemble. Le perso me hype pas du tout dans le sens où, bah déjà fuck Fire Emblem quoi. Puis je sais pas, regardez sa tête, le non-charisme wesh. Heureusement qu'il a un skin meuf, parce que si on devait jouer avec ça, quelle horreur. Mais ouais, je me suis dit pourquoi pas jouer Billet, surtout qu'en plus le perso m'a l'air pas mal de ressembler à Ganondorf. Dans le sens genre c'est un perso super lent. Mais qui a l'air de taper grave fort. Et comme certains doivent le savoir, j'ai fait une vidéo sur Ganondorf il y a un bon bout de temps. Bon, maintenant, c'est plus mon main. Maintenant, mon main, c'est Bowser. Parce que voilà, j'en ai marre de jouer un personnage nul, voilà. Mais ouais, je me suis dit, pourquoi pas tester Billet en vidéo. Alors déjà, si on remarque, le perso est lent sa mère. Je dirais, il a à peu près la même vitesse que Ganon. Du coup, on va commencer par voir ses coups. Ok, forward air. Ça a l'air d'être relativement lent, même si ça a pas mal de range. Bon alors je mets la vidéo en pause 2 secondes parce que je viens de me rendre compte au montage que j'utilise 2-3 termes spécifiques que des gens qui s'y connaissent pas forcément à Smash pourraient pas comprendre. Ceux qui s'y connaissent un peu au jeu, vous pourrez zapper mon explication, je vous mettrai le timecode juste ici. Sinon pour ceux qui s'y connaissent pas, ben let's go. Sur Smash, il y a 4 types d'attaques. Les attaques normales, les attaques spéciales, les attaques aériennes et les attaques Smash. Chaque type d'attaque a entre 4 et 6 versions d'elle-même. On a la version neutre, qu'on appelle neutral quelque chose, neutral air, neutral B. On a la version sur les côtés, qu'on appelle soit forward quelque chose, forward air, forward smash, qu'on abrégera assez souvent en fer ou F-smash, parce que bah, c'est plus court et c'est plus simple à dire. Soit side, genre side B. Pour les attaques aériennes, on a aussi la version back, c'est-à-dire back air, lorsque tu fais une attaque aérienne dans ton dos. Et bref, maintenant je pense que vous avez compris, on a la même chose pour les attaques vers le bas, down air abrégé en dair, down tilt, down smash, down B, et la même chose vers le haut, up air, up B, up tilt, up smash. Enfin bref, j'espère que en tout cas ce petit guide vous aura aidé à être un peu moins perdu. De toute façon, je compte un de ces quatre faire un guide sur tous les termes compliqués qu'on utilise dans la commu smash un peu compétition, mais ça demande pas mal de temps et du coup pour le moment vous allez devoir vous contenter de ça. Ah ouais, le coup il fait pas de bruit là. Putain, mais pourquoi il fait un bruit de pétard mouillé wesh. Enfin bref, donc son forward air, on va voir pour le back air. Ouf, le down air, il est lent. Par contre, il tape. C'est vrai que l'attaque, lorsque tu te la prends dans la tête, tu la sens passer. Bon, on a testé les coups basiques, quoi qu'on n'a pas testé tous les coups basiques. Ça. Ouais, bon, c'est un coup de fouet vers le bas. Ça, c'est un coup d'épée vers l'avant. D'ailleurs, pourquoi je le touche pas là? Un coup d'épée vers le haut, ouais. Ouh, c'est vrai que j'ai pas testé le upper, mais le upper, il a l'air de piquer les fesses. Et du coup, on va enfin passer à la partie intéressante, les attaques spéciales. Alors, on a un arc. Ah ouais, mais... Même quand tu charges pas la flèche, elle met 10 ans à sortir, ça c'est terrible par contre. Et ouais, la puissance pleinement chargée. Ça fait mal, mais ça fait pas si mal que ça pour un move qui met... Ouais, il est lent. Du coup, ensuite, on va tester down B. On est d'accord que là, on dirait elle dit ta mère.
Ça me fume. Voilà. Et ensuite, le Hub B. Ouh. Nope. Ah bon, il faut quand même que le bail touche la personne pour toucher. Ah ouais, par contre, le perso tue pas à des pourcents aussi haut. C'est à partir de quand qu'il peut t'attraper et te tuer? Down throw, ça tue pas. Up throw, même up throw tue pas. Ah ouais, le perso, il a aucun kill throw. Je pense qu'on a assez expérimenté en solo et du coup, on va voir comment le personnage rend en ligne. Un Ryu? Ah ouais, c'est bizarre. Normalement, dès qu'il y a un nouveau personnage, tu tombes tout le temps contre des gars qui jouent le perso. Là, on a un gars qui joue Ryu. Probablement l'un des persos les plus rares à croiser en ligne. Ah ouais, le perso est lent! Ça m'avait un petit peu choqué lorsque j'étais en mode training, mais là, c'est terrible comment le perso met 10 ans entre chaque attaque. Stoupé! Son move a battu Monde en Air, là, ou quoi? Putain, vraiment le perso est cool, mais il est lent. Genre, Ganondorf me paraît pas aussi lent. Même Fel Inferno me paraît moins lent. Sinon, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais en gros, à partir de sa deuxième vie, le Ryu juste en face, il a décidé de se réveiller. Et c'est je me suis fait détruire. Vas-y, on va dire que c'était mon premier fight avec le personnage, voilà, j'étais en train de me familiariser avec, mais ouais, qu'est-ce qu'il est lent. Genre, il a quoi comme move qui lag pas trop que tu peux faire? Il a rien. Upper lag, forward air et back air lag. Même son down tilt, il a l'air rapide. Enfin non, il a même pas l'air rapide, il est lent. Le down air met tellement longtemps à sortir. Quoi? Attends, il y a des moments, j'étais au fin fond. J'étais au fond de la map. Et là, par contre, je suis à peu près dedans et... Le fouet, il fait « Ouais, non, 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 on va pas attraper. » RT. Après, je veux pas trop m'avancer, vous voyez, hein. Je suis pas un excellent joueur ou quoi, mais c'est vrai que là, vu comment le perso, je le vois très très mal. Je vois très très mal comment des gens pourraient devenir bons avec. Eh ben, en plus, là, on va affronter un autre billette. Donc au moins, ça va être un combat de gens qui mettent 10 minutes à mettre chaque coup. Bon, je suis con. Il est con. Son neutral air est grave bizarre aussi. Hein. Normalement, c'est le genre de neutral air que tu cales tout le temps. Mais là, je sais pas pourquoi il... Le move a pas l'air terrible. Fight! Qu'est-ce qu'il est lent! Bon, par contre, c'est relativement vicieux qu'ils aient fait en sorte que le move, il ait de l'armure même en l'air. Parce que Falcon et Ganon, eux, quand ils font le move en l'air, tu vois, tu peux les taper et ça annule. Hein. On sait pas pourquoi, c'est le privilège d'être un perso de Fire Emblem, je crois. Mais Ganondorf, voilà, s'il fait ça, il peut pas faire ça, en gros. S'il fait ça en l'air, en gros, il se fait frapper. Ah ben... Bien vu, hein. Je voulais pas faire ça! Oh, j'ai été sauvé! J'ai cru que j'étais mort, là. Non. Ouais, mais en même temps, c'est la première fois que j'affronte le perso, c'est normal que je perde. Sur ce, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Je sais que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo sur Smash, mais déjà je compte en faire beaucoup à partir de maintenant. Genre je vais quand même essayer de sortir de temps en temps des épisodes qu'on s'appelle du Let's Play Pokémon, parce que voilà, faut bien le finir. Mais là je suis dans une période où je joue vraiment beaucoup à Smash Ultimate. Enfin remarque, je dis je suis dans une période, mais ça fait longtemps que je joue beaucoup à Smash Ultimate. C'est juste que avant j'étais pas très bon, même pas bon du tout. Et du coup, entre temps, ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup entraîné, que ça soit chez moi ou avec des potes, comme aller en tournoi. Bon, pour le moment, j'ai pas gagné de tournoi, mais voilà, j'arrive de temps en temps à atteindre le top 8 dans mes tournois locaux. Et ouais, maintenant que je commence à être, on va dire, potable au jeu, je me dis que ça serait assez cool de commencer à faire de plus en plus de vidéos dessus. En plus, je pourrais faire des vidéos aussi où je parle du jeu en règle générale, dans le sens genre, que ça soit, je vous parle de la communauté, de comment fonctionne le jeu, parce que même si je suis pas forcément un excellent joueur, disons que je sais beaucoup de choses par rapport au joueur moyen, je me suis énormément renseigné, je regarde pas mal de tournois, je regarde énormément de vidéos Smash, et je pense que grâce à ça, je vais pouvoir vous faire du contenu intéressant. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous, parce que voilà, la communauté Smash, c'est une communauté relativement petite, donc, petite par rapport à d'autres communautés de jeux vidéo, si tu compares ça à Fortnite ou Minecraft, c'est pas le même délire. Et du coup, le meilleur moyen de l'agrandir, c'est justement de partager ce genre de contenu autour de vous. Si vous l'avez vraiment aimé, SVP, ce serait sympa que vous regardiez une petite pub sur Utip. Je vous oblige pas, je vous brise pas la main, mais voilà. Utip, je pense que c'est probablement l'une des meilleures sources de revenus pour un YouTuber. Vous avez juste à regarder une petite pub qui dure 30 secondes. Et si vous êtes beaucoup à faire ça, ça peut vraiment me rapporter pas mal de sous. Ce qui peut m'aider, par exemple, à, je sais pas moi, me déplacer pour un tournoi. Bon, je me déplace pas trop, mais c'est justement parce que j'ai pas de thunes. Mais bref, du coup, voilà. Du coup, c'était tout, c'était Coleman. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.